Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y est, ça y est, l'échappée c'est maintenant. C'est tout de suite, ça me fait plaisir, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai voulu amener ça. Une course de vélo avec 8 streamers qui vont cravacher pour 30 km à pédaler non-stop. Ils vont devoir aller au bout d'eux-mêmes, on espère qu'ils vont finir mais totalement cuits. J'espère que vous allez bien, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous retrouver. Vous êtes très nombreux, vous êtes déjà plus de 40 000 sur le live pour ça. Je peux vous montrer quand même justement ce qu'il va y avoir à gagner pour cette échappée, parce que hormis la fierté d'aller au bout de soi-même, il y a quand même une coupe qu'un des 8 va remporter. On va en discuter, les participants, si jamais vous n'avez pas encore tout vu, même si j'imagine que j'ai pas mal teasé, parce que honnêtement, ça fait plus d'un an et demi que je voulais organiser ça, donc je suis juste trop content, je suis trop excité, j'ai pensé à ça toute la semaine. Merci beaucoup d'ailleurs à Adidas de pouvoir me permettre d'organiser ça. Vous allez voir, c'est un très bel événement qu'on va vivre ensemble. J'imagine que vous avez votre favori, on va en parler aussi. Je vais pas être tout seul pour commenter cet événement, j'ai décidé de m'entourer de quelqu'un qui s'y connaît un peu quand même en cyclisme, qui a quelques petites connaissances. C'est David Gaudu qui est avec moi. Viens David, viens mon David. David, comment tu vas David? Bah ça va bien, ouais. Merci en tout cas de m'avoir invité pour cet événement, et voilà, j'espère qu'il sera fabuleux. Je suis trop content mon David, ça fait trop plaisir. Si vous ne connaissez pas David Gaudu, qui est-il? Cycliste professionnel, membre de l'équipe de FDJ. Tu as donc remporté quelques petites étapes bien sympathiques récemment à la Vuelta, un des grands tours, du cyclisme. 30,7 km même. Je pense que les 700 mètres, ils vont être importants. J'ai pas voulu non plus totalement les cramer en lâchant un 50 km. 30 km avec donc 250 mètres de dénivelé positif. Est-ce que toi, t'as quelqu'un qui sort du lot ou pas sur les 8? Moi, je pense sur les 8, en vrai, il y en a... Moi, j'en dirais 2. Je pense que je mettrais Magla et Xari. Magla et Xari, je pense, en favori, ouais. Magla, on le sait, elle fait beaucoup de sport. Après, elle fait beaucoup de musculation. Mais c'est vrai que Magla, il y avait une petite élongation au mollet. Petite élongation qui peut faire mal. Je suis trop heureux. Merci beaucoup d'être là, honnêtement. Ça me rend très heureux de pouvoir réunir tous ces gens, de vous proposer ça ce soir. On va aller voir tout le monde. Je vais aller leur poser quelques questions. Vous allez voir aussi comment ils sont en train de s'entraîner. Oh là 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 là, ça serait pas le Xav, ça? Le Xav, coup de pédale, ouais. Beaucoup de pédale, ouais, ce serait Xav. Ouais. Alors, ah, c'est bon, on a gagné, ouais. Mon frérot, toute la semaine, il y a eu de la pression. Moi, je t'ai dit... Tout le monde m'a mis la presse. Tu me ramènes pas de podium, c'est fini la Team Pax. Je vais essayer de tout donner. Après, si je meurs sur le vélo, tu m'en voudras pas. Mais le but, c'est honnêtement que tout le monde donne le maximum. Et pas de bashing, hein. Pas de bashing aujourd'hui. Tout le monde va se donner à 300%. Et c'est bien ça le principal. Juste à côté, dans cette salle, on le voit, il y a Kamel, le sang de la veine. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille, hein. La seule difficulté, ça va être la douleur. T'as l'air à l'aise, frérot. Enfin, non, mais au bout d'une heure, tu vas voir. Ici, il y a une des favorites. Magla, il y a eu beaucoup de tweets autour de toi, un peu de pression peut-être. Un peu beaucoup. C'est vrai que par rapport à certains, on te voit un peu plus faire du sport. Après, ça veut rien dire. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont nous surprendre, vraiment. Allez, je pense qu'il va y avoir des très grosses surprises. Et peut-être qu'elle est là, la surprise. Peut-être qu'elle est là, la surprise. Je le vois. Incroyable. Ça va, toi? J'ai déjà mal au cul de base. Et la collerette, c'est incroyable. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez sur Google. Ça va jouer au mental et à la collerette. C'est les deux trucs. C'est ça. Mais pas d'abandon. Non, pas d'abandon, jamais. Ça ira jusqu'au bout. J'en vois un qui est très déter. J'en vois un qui est bouillant. C'est ton jour. C'est ton jour. T'es le seul fumeur en plus des 8. Donc ouais. C'est vrai que ça aide pas. Non, on verra bien. Hein. Vas-y. Donne le max. Moi j'ai dit, de toute façon, ils le savent. Attendez rien de ma part. Ça se passe bien, ça se passe pas bien. Et les frères. Voilà. Objectif, aller au bout, hein. C'est pas une blague, hein. En vrai. Je les mets quand même face à un défi, face à eux-mêmes, et c'est avant tout ça, c'est de pouvoir se surpasser et finir, c'est déjà quelque chose de beau, ça je peux vous le dire. Juste à côté, il est dans son son. Hier, il a organisé du gros TFT, le boss. Quel enchaînement. C'est vrai que la veille, t'organises un tournoi TFT, là t'es à vélo. Je suis à fond. Shunzi, t'es quand même un... Moi, je te mets dans mon top 3. Hein. Déjà mal au cul ou pas? Bah, en vrai, ça rentre pas mal, ouais. C'est en train de rentrer. Quand ça rentre, c'est que c'est bon. La team crew... Mais qu'est-ce qu'il fait pas sur le vélo, ici? C'est la seule salle pas sur le vélo. Ça fait des... Qu'est-ce qui se passe, je vous dis, là? Je m'échauffe, là. Okay. Et je me dis, je préfère pas me crever sur le vélo maintenant. Comme ça me laisse plus tu de... Tu vois, la selle a fait mal au cul. Ouais. Ouais. Donc, on s'économise. Mais toi, tu vises la victoire? Mais moi, je vise la victoire complètement. Et t'es le seul qui assume, t'es le seul qui arrive et qui dit c'est la victoire. En vrai, je veux gagner, j'avoue, c'est mon objectif. Le trophée, il t'a chauffé. Mais j'ai vu le trophée. Il est incroyable. Mais j'avoue, Magla me fait peur. Vous allez aller au bout. Bon courage. 130 de BPM déjà. 130, frérot. Mais c'est le stress. Pas de soucis. Monte sur le vélo, commence un peu à pédaler tranquillement. Okay. La première édition de l'échappée qui va se lancer. Commencez à pédaler. Hein. 10 secondes, c'est bien si vous pédalez. Un peu avant, ouais. Je pense avant. 10 secondes. Et ça y est, on est à quelques secondes du départ de l'échappée. Tous les coureurs s'y mettent. 4,
3, 2, 1. Et c'est parti. C'est parti pour l'échappée. Allez, 30 km à faire. On va voir un petit peu justement ce que ça donne avec un très très beau plan. Pour l'instant, c'est chaud. On va voir si quelqu'un réussit à partir tout de suite. Si quelqu'un sort du lot, c'est très important de rester roue dans roue. Et Kameto qui prend la tête ou Kameto qui a pris la tête ouais. Kamel qui est en train de mener Kamel la danse. Qui fait le show. Kamel qui est à l'aise. Hein. Kamel qui est dans un clip de rap. Kamel qui est au calme. Voilà, ça est bien. Ça se passe bien. Donc ce que vous voyez en haut à gauche, donc les watts. Les watts, c'est très important parce que c'est la puissance qui est générée donc du coup par l'effet que vous pédalez. C'est la puissance que vous développez sur le vélo. Et juste en dessous, vous avez les RPM. Du coup, c'est les tours de pédale que vous faites par minute. Du coup, ça, voilà, là, on voit Kamel, il est à 77. C'est plutôt pas mal. Il faut rester aux alentours des 80-85, je dirais, sur le plat pour être bien. Après, voilà, le but, c'est aussi de prendre son rythme et de rester dans ce rythme-là jusqu'à la fin pour pas non plus exploser. Hein. Parce que là, tu vois, on voit Michou. Il y a un petit groupe de tête. Hein, tu vois, là, on voit Michou, il a déjà pris 6 secondes. Donc, est-ce qu'il est en mode je gère ou je gère pas? J'ai l'impression qu'il y a deux groupes. Hein. Il y a les trois premiers grands maîtres de l'aspiration. Grand maître, monsieur. La première échappée, elle a lieu dès le début, dès la troisième minute. On s'attendait pas à ce que ça soit aussi rapide. Il y a donc le groupe Magla, Xari, MV, Shones, Kamel qui a légèrement décroché aussi. Hein. Voilà, on voit un peu hein, la différence. Michou, là, qui pour l'instant est à 44 km/h. Hein. Il a un peu plus de 100 mètres d'avance. 341 watts, mais il envoie de dingue là. Ouais, 340 watts, ouais, c'est haut. Surtout que Michou, il pèse pas hyper lourd. Donc on voit, il est à 5,5 watts kilo. Donc je pense qu'il est reparti sur la même stratégie que tout à l'heure, partir à fond. Ça baisse un peu là. Du coup, ouais, il est parti très très vite, mais c'est MV aussi, hein. MV qui envoie, MV qui a réussi à recoller, hein, parce que du coup le groupe de compte dont on parlait, il a explosé. Il a pas réussi vraiment à se reformer, c'est MV qui est parti à la conquête de Michou, qui est parti le chercher. 20 km, on a déjà fait quasiment, allez, 25-30% là. Michou, mais il est ah oui, mais Michou il est en train de recoller, gros, mais c'est un monstre. En fait, Michou il est en train de smurf Swift en fait. Mais c'est, frère, c'est un monstre. Mais attends, mais il vient de passer. Regarde son sourire, attaquer direct. Il va dans la rue Xari. Oh là 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 là, l'insolence, l'insolence. Il se permet la tête de course qui a été récupérée par Michou. Mais il va tellement vite. Il est à 400 watts. Mais 400 watts, c'est monstrueux ce que tu proposes. Un 35 km/h. Il a vu que ça montait un peu. Il a surpris un peu Xari qui est plus dans l'aspiration. Montrez-nous le Xari parce qu'à chaque fois en fait il profite de l'aspiration Xari et au lieu de prendre le relais pour mettre sans le vent Xari et en fait il lui repasse devant. Mais MV qui a réussi à garder quand même 25 secondes d'avance sur Magla et Shones, certes. Michou et Xari, ils sont partis loin devant. Ils ont mis une pilule, mais ils gardent son écart avec Magla Shones derrière. Pour redescendre entre 85 et 90 RPM. Après, voilà, c'est la montée, c'est bien aussi de tourner les jambes. Donc, non, là, elle est plutôt pas mal. Tu vois, on voit qu'elle est descendue à 90. Qu'elle est, je pense, dans son rythme, avec le rythme de la musique. Donc, non, je pense qu'elle est partie pour un bon numéro. Et voilà, même si devant on voit Xari, voilà, ils sont clairement détachés devant, je pense que voilà, il y aura un petit match entre Mister MV, Magla et Shones. Michou qui est bien monté, hein, 176, Shones qui est au-dessus des 190. Le Bouzeux, il est détente, hein. Le Bouzeux en direct. 163. Mais Michou et Bouzeux, ils sont en train de parler, du coup. Mais Bouzeux, là, il a cru qu'il faisait son sport du matin, là. Il est en sport décontracte ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe, le Bouzeux, là? Qu'est-ce que tu nous fais, là? Pour l'instant, je suis premier. Le Michou fait des stories. Quand t'es vraiment insolent, c'est ça. Genre, quand t'es vraiment au-dessus du lot, tu fais pop, pelop. Michou, frère, il met 20 secondes à Xari pour l'instant, 1 minute 40 à MV. Il est en train de faire des stories, mais Michou, il smurf le truc. Et là, je crois qu'on est dans la première vraie bosse du parcours, par contre, pour Xari et Michou. 7%, voilà. 8%, là, en haut à droite. On vous le mettra, on vous l'affichera en haut à droite. 9%, là, c'est le moment un peu compliqué. 10% même. Ça va monter plus haut. Ah non, mais là, cette période, elle est difficile. Xari qui donne, hein. Xari qui donne, il a 100 RPM. Ah, il reste plus que 17 km, hein, pour MV aussi, qui a 2 minutes de retard. On a presque fait la moitié. Un Michou a fait la moitié. Hein. Un Michou a fait la moitié, mais voilà, pas passé encore, je pense. A pas passé encore le plus dur, je pense. Magla, est-ce qu'elle est en boîte, Magla? Tout se passe bien, ça danse. Magla qui. Ah ouais, elle est en boîte, ouais. Allez, mon Shonzi, il est où? Il a 10 secondes de Magla. Hein. Il voit Magla au loin, un petit peu plus. C'est ça, voilà. Un peu au fond, et lui, il va commencer ce passage difficile. Il va commencer ce passage difficile avec le pic jusqu'à 10%. Il est vraiment dans ce virage. Ouais, Tommy a été lâché. Tommy a une minute. Tommy a été déposé. Au bout, mon Tommy. Allez, c'est le mental, mon frérot. C'est le mental. Lâche pas, Thomas. C'est le mental, mais c'est les poumons aussi, mon ref. Prends le temps, si tranquille. Si tu peux parler, c'est encore bon signe. Allez, Kamel, il est dans sa bulle. Il est dans sa bulle, Kamel. Oh non, mon Kamel. Ça va jouer au mental pour lui. On va l'accompagner. Je vois le Blue Wall qui se déploie. Ils sont derrière toi, mon frère. T'inquiète, je finirai quoi qu'il arrive. C'est ça, mon ref, c'est l'attitude. Quel moment il achète watts par kilo, là? Et on va faire un contrôle antidopage, là. Hein.
Une Delta 400 watts, je pense. 5 watts, là, il était... Bah, la descente, il donne tout. Là, c'est la descente, là, ça va vite. Donc c'est... là, Michou, qui est sur la giga descente... Ouais, juste après le premier rouge. Mais il faut savoir que cette giga descente, il devra la remonter dans ce que vous juste voyez, de la grosse montée après coup. Xari qui a 250 watts, Xari qui est un fast learner, qui a compris le truc de la descente, que t'étais pas forcément obligé de pédaler, que tu continues à rouler à la même vitesse, en fin de compte. Mais il y a eu un niveau imposé par Xari et Michou qui est impressionnant, et toujours 7 minutes 15 d'écart c'est entre ça. Michou et Xari. Oh là, c'est pour moi. Allez, on lâche pas, Tommy, c'est le moment difficile, c'est le 10%, c'est un des plus gros pics, il y en aura pas des comme ça après, enfin peut-être un. Oh là là, oh là, montée en danseuse. Oh, claquage. Dis-toi qu'il y a la descente après. Ça expulse par la bouche, c'est magnifique. Le petit point classement, Michou qui était passé devant Xari. Magla qui est en train de revenir de manière très dangereuse. MV qui a la 4e place pour l'instant. Sean 5e, Le Bouze 6e, Tommy 7, Kameto 8. Quoi qu'il arrive, on rappelle, c'est un combat contre soi-même. Voilà, chacun est venu là pour se dépasser. Et MV qui a compris le système aussi. MV qui a mal au cul surtout. Ouais. MV, ils ont tous mal au cul de fou, je suis désolé. Ouais, allez putain. Ouais, c'est dans la tête, t'es le meilleur mon frère. T'y vas. Tu donnes tout. Il y a le bouseux à 40 secondes. Si jamais tu sens que tu peux ralentir un peu, t'aider à deux, partir en relais pour remettre. Si jamais ça peut être une option. Je l'attends. L'option a été très vite choisie, j'ai l'impression. Ça se passe bien là, le petit duo là. Ouais, ils sont tranquilles. Enfin, ils sont tranquilles. Ça abat du kilomètre ici. Ouais, hein. C'est sûr. Ça, petit à petit, voilà, on se dirige vers la dernière portion, dans le dernier tiers, dans 3 bornes. Donc voilà, il restera vraiment un gros kilomètre de dur avant la descente finale. Ouais, mon Kemel, ouais, c'est dur ici là. C'est dur là, c'est le passage. Okay, c'est la passage plus, à part sur la plus, la plus difficile. Pas, ouais, je suis à 2 km. C'est le passage à 11%, frérot. C'est le passage à 11%. Il est normal. Quasiment fini là. T'es comme face à une montagne là. C'est comme si t'essayais de gravir une montagne et ton allez, vélo. Allez, Kamel. Ça redescend juste un petit coup derrière. Allez, t'y es presque, mon frère. Allez, Kamel. Allez, là, c'est bien ce que tu fais. 125 allez, watts, Kamel, c'est super. C'est top. Hein. T'as une crampe? En gros, regarde. Hein. J'ai eu une mini crampe à gauche. Ouais. Je me suis dit aïe à gauche. Je me suis appuyé sur ma jambe droite et grosse crampe à droite. T'as compensé? Ok. Et comment tu te sens maintenant? J'ai tard pas mal. Ok, est-ce que tu... Je suis baisé. Tu veux arrêter? Je vais voir, je me laisse 5 minutes et après si jamais... Hésite, bois de l'eau, ouais, bois bien ouais. De l'eau si jamais tu mais là, dois... Je te jure, j'ai pas fait semblant. C'est normal, je vous fais faire quand même un gros défi sportif, donc le but n'est pas du tout de te mettre en danger ou c'est même con si justement on se dit que si tu te sens pas bien et tu sens que tu vas être blessé, stop et arrête pas. Prends un peu de ton temps, tu verras ensuite, tu remontes sur le vélo et tu vois comment tu te sens. Vas-y mon bref. Oh là là, le petit prodige du cycliste. Hey, je te vois, t'es transpirant. Vrai, 3 minutes 10 d'avance sur Xari. Ouais. Il te reste 6 km. Hein. Ouais, moi ce qui me fait peur c'est la montée. Là ça arrive la montée. Elle arrive mon Michou, mais t'es capable. Hey, Bouzy, ça se passe hein, quand même. Hein. Je tiens le rythme, je suis content. Ce qui me fait peur c'est les fesses. Ça, mais là, tout le monde. Ouais. Vous en faites pas, il y aura de la crème. Comment on se sent ici? Ah, mais c'est quoi le pire à faire, gros? Michou, Michou commence à avoir Michou un peu mal. Je te le dis. Il a 10 ans de moins, gros, ça se voit. Mais moi, je vois pas derrière et du coup, ça me stresse. Tu vois pas derrière parce que t'es trop loin d'eux. Oh, t'as mis une pilule à tout le monde. Dans ma catégorie d'âge, je suis bien. Continue comme ça. Ça me frustre, je suis même pas fatigué, voilà. J'ai juste trop mal. La selle, elle me tue. Et ici, c'est que du plaisir. On te voyait danser, on te voyait à l'aise, on te voyait dans la musique. Ouais, j'ai un peu oublié qu'on était en live à un moment. mais profite, ça se passe bien. Franchement, ouais, je kiffe. T'essayes de rattraper MV là, c'est ouais, ça? Ouais, je gère juste très mal mes vitesses. Mais ok, MV les fesses aussi, j'imagine. J'ai plus de cul, c'est terrible. Oh là là, mais on m'a filé un coussin à un moment. Ouais, c'était bien. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il tombait, il glissait, donc j'accepte. J'accepte la douleur anale. Ok. C'est le plus important. Et là, je produis l'effort pour lâcher Magla, mais. Vas-y, lâche pas, concentre-toi, je vous dérange pas. On me dit que Tommy se sent pas bien, il va peut-être arrêter. Là, on a Michou, on va l'avoir avec nous. Michou qui est à 3 km 2, Michou qui commence à se rapprocher de plus en plus de l'arrivée. Michou, 3 km, le Michou, il le sait, il voit l'arrivée. Il voit l'arrivée au bout, il va tout donner, Michou. Regarde déjà, petite accélération. Michou, il voit le trophée. C'est maintenant. 300 watts, il y a le trophée qui est en train de tourner juste à côté de nous. Allez, Michou, allez, c'est tout droit là. Eh, Tommy, je t'applaudis parce que t'es allé au bout toi-même, mon frérot. T'es quelqu'un, t'es le seul à fumer. Malgré tout, t'as fait le déplacement. C'est ta faute. Parce que t'as vu quand j'avais la pente, j'ai voulu flex parce que tu me chauffais. Oh non, pardon. Frère, tu mets des high kicks dans le vide. Tu sens qu'il va y avoir claquage, que ça va mal se passer. Ouais, ça. Frère, non, mais c'est voilà, j'ai voulu tester les limites de mon corps et ben je les ai trouvées. Il y a 3 heures d'avion aller-retour. 20 minutes de vélo, mort, dead. Fin de parcours. Oh non, on a grisé l'écran de Tommy. Oh non, c'est horrible. Oh non, c'est terrible. J'ai l'impression que quelqu'un est tombé au combat là. Ah, MV qui a déposé Magla. Ouais, MV qui a déposé Magla, ouais. Ça y est, maintenant MV qui est parti à la conquête de la 3ème place de le la médaille podium, de bronze. Le podium, le podium. Il y a un prix pour le premier et il y a deux autres, mais attention, deux autres prix, deuxième et troisième. Il reste la dernière bosse. Hein. Et on voit l'état de Michou. Si on en met 3 avant, dans la dernière montée, ça peut jouer des tours.
Kamel qui se bat face à lui-même, là, mon Kamel. Et c'est beau de voir ça, il lui restera 14 km à Kamel. J'espère qu'ils pourront s'asseoir pour faire des streams après, parce que sinon, si tu leur niques la course, puis tu leur niques une semaine de stream derrière. La concurrence est devenue dure, hein, sur Twitch. Il n'y a plus le choix. C'est, voilà la méthode que j'ai décidé d'utiliser. Ah, il a croisé Kameto. Il y a Kameto. Oh, il y a Kamel. Croise Kamel. Allez, Kamel qui va être en descente. Du coup, Kamel qui va être en descente. Kamel ça qui va a passé la bien. Partie la plus dure. Un kilomètre avant flamme l'arrivée. Rouge. C'est la flamme rouge. On veut de la musique épique. On veut là, la flamme rouge. Le dernier kilomètre, 900 mètres. En plus, c'est de la descente. Il y aura juste une toute petite montée. Michou, je veux que tu donnes tout ce que t'as. Tout ce que t'as, Michou. J'apprends. On veut te voir à 200 mètres. Michou, donne tout ce que t'as. Après, c'est terminé. Après, c'est le titre de la première échappée. Il est pour toi. Michou qui se crame, qui met. Le trophée Michou, il va arriver, le trophée, il va arriver, il est pour toi. Il est à 33 km/h là, à peu près, là ça va commencer. 300 watts hein, quand même, donc c'est... Il y en a encore un peu sous la pédale là. 5 watts kilo, c'est ce que tu fais toi, non? Ouais, c'est ce que je fais, ouais. Eh ben putain, je vais commencer à avoir peur moi. Fais gaffe. Les deux statues des vélos, il va passer dessous, il y a le bouseux qui a... Par contre, ça doit foutre un sacré coup quand ton pote finit et toi il te reste encore 10 bornes. Ouais, je pense, ouais. Et tu lâches pas. Allez Michou. Tu lâches pas. Michou, 200 mètres, Michou. Je vais te passer sur le podium, gros. Ouais, non, ça va. Le podium, il essaye de le chauffer. Michou, 200 mètres. Michou devant 200 000 viewers qui va prendre. Qui va pouvoir la lever les bras. De l'échapper. Lever les bras. 100 mètres, ouais, c'est juste là, Michou. Let's go. Michou, il a réussi. La victoire pour Michou. Il finit à 400 watts, Michou, qui termine premier. Le boss. De l'échapper, il aura tout donné ici, dans cette, cette course. Aïe, aïe, aïe. Tu peux être fier de toi, Michou. Honnêtement, il a été impressionnant. Impressionnant, le Michou. Et je crois qu'il y a Michou qui est parti embêter Xari, là, sur la fin. Oh là là, un chambrage. Oh, ça taille à kilomètre 5. Malgré les bugs, ça tient encore. Mec, tu m'as fumé. Après 400 mètres. Allez, c'est au bout, le Xav. Allez, donne tout. Donne tout, le X, là. Tout ce que t'as. Les courbatures, ça sera pour demain. Ça sera pour demain, les courbatures. Ça monte à 500 watts, là. Ça les craint, les 400, allez. 300 mètres. Allez Xari, tu es presque, les 400 watts qui ont été explosés, les 500 watts qui sont explosés, les 600 watts peut-être, les 600 watts explosés, le fast, le X qui est là et qui va gratter chaque seconde, chacune de ces secondes, il va les prendre là pour finir avec les 56 minutes, il y aura la première partie, Xari qui finit deuxième, félicitations, hein. Deuxième de l'échappée. Xari avec 6 minutes de retard sur Michou mais qui a été honnêtement impressionnant aussi, le fast là il y a juste rien à dire. Nous a fait très très plaisir dans cette course. Et là, et c'est là que ça va se faire entre le podium, il va se faire là, dans cette montée là. Est-ce que Magla va pouvoir revenir sur Mister MV? 2 km de la fin pendant qu'il y a le fast, le X. Bravo, tu peux être fier de toi là. Il y avait juste Lance Armstrong quoi sur le tour. Il y a eu un moment où on a senti que c'était vraiment difficile, mais pendant longtemps t'es resté à 1 minute 30 de lui. Comment ça se passe niveau fesses? Moi ça va, j'ai... T'es équipé après toi. Moi ça va ouais, j'ai un gros cul on va dire, donc ça passe. Est-ce qu'on se met un petit point le bouseux peut-être? Petit point le bouseux, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Le bouzy et Shones pareil, oh là. Ah c'est pas la même. La troisième place, c'est allez, ça remonte un peu, allez, on sent que ça fait mal sur les fesses, mais il y va, il lâche tout dans les jambes là, c'est que au mental. Le physique ne suit plus forcément, ça encourage le podium, MV il est incroyable, allez MV dans le chat, au bout, MV au bout. On veut que ça crame les cuisses pour ces 400 derniers mètres. Tu y es presque MV, tu y es presque, 200 mètres, tu vas bientôt voir la ligne d'arrivée au bout et tu vas pouvoir prendre cette troisième marche du podium. Il la voit la ligne. Elle est là. Elle est juste au bout. 100 mètres. MV qui va passer tranquillement et qui va finir troisième de cette première édition de l'échappée. Félicitations. Enfin 10 minutes d'écart avec Xari. MV qui aura absolument tout donné. Allez, on met tout dans les cuisses. On met tout. Allez, on veut plus prendre. C'est le money time. C'est le money time. Oh là là, et Magla qui est heureuse. Magla qui honnêtement a été aussi impressionnante. Boum, ça, on voit niveau mollet comment ça bombarde. Concentré sur son vélo bientôt. MV qui la motive et Magla qui termine quatrième de cette échappée. Félicitations Magla. Tu peux être fier de toi. Oh là là, bravo. Oula. Battu, tranquille. Faites attention quand vous descendez du vélo parce qu'après un peu plus d'une heure d'effort intense comme ça, il faut pouvoir tempo. Félicitations Magla qui est donc quatrième. Ouais, je vais chercher le bouseux. Vas-y, mec. Vas-y, mon Shones, t'es qu'à 2 minutes. Eh, félicitations, MV, t'as été un bravo. T'as été impressionnant. Oh, merci, mais ouf, c'est le cul. On est là pour souffrir, donc j'ai tout pris. J'ai tout pris dans le fion. J'ai juste pris. T'as juste accepté. Juste la selle, j'ai accepté. Allez, vas-y, si tu peux. Allez. Le record de watts. Il va tomber. Le record de watts, il monte à 250.
350, 300, 300, 300. Allez, 300. 400, 400 peut-être, 400. Allez, allez, allez. Encore, 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 encore. Allez, le 400. Le 400. Les 400, bravo, bravo Bouzy qui prend la cinquième place de l'échappée. Cinquième place. Aïe, 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 il se sera cramé. Comment ça, va Magla? Bah, ça va bien. T'as l'air encore en forme. Ouais, ça va, ça va. J'ai plutôt géré mon effort. J'aurais aimé faire plus, mais j'avais mal au cul. mais tout le monde. Hein. J'aurais bien aimé être sur le podium, mais MV a été ultra solide. Franchement, il a pas lâché. Elle a été forte. Et Michou et Xari, mais ça a été des malades. Ils sont trop forts, trop forts. Tu vois presque la ligne d'arrivée. Allez, Sean, c'est le bout. Trop fort, il est trop fort. Il a le smile en plus. Tu l'as fait, mon Seanzy, tu l'as fait. Le dépassement. Oui, Béa, oui. C'est pas fini encore. Ah, mais lui, il pédale vraiment dans la vraie vie. Hein. Ouais. Il prend vraiment les virages et tout. Seanzy en danseuse. Allez, 200 mètres, 100 mètres maintenant. Ouais, tu vois bien, la ligne. Seanzy. Allez, crame-toi au-dessus de 200, Là, Seanzy. Allez, allez. Ouh. Allez, mon Seanzy. Au bout, il va prendre cette sixième place. Il aura fini. Et c'est gagné pour Sean. Il l'a fait, il l'a fini. Dur. Bravo, félicitations Seanzy. Tu peux être fier de toi, frérot. Je veux une banane. On a Kamel, Kamel qui est au bout, Kamel qui depuis le début a des soucis de celles qui le qui juste lui le détruisent. Je fais des pauses depuis tout à l'heure, mais là j'ai trop mal là. Kamel, tu veux stop? Ouais, je pense j'ai trop mal, je pourrais pas faire la fin, je suis dégoûté voilà. Tu veux stop Kamel? Ouais. C'est ta décision finale? Ouais. Bah écoute, c'est mon dernier mot. Bravo Kamel frère, quand même. Hein. Je suis désolé. T'as pas à t'excuser Kamel, t'es allé au bout de toi-même. Le but n'est pas non plus de s'infliger des douleurs physiques. C'est bien de se faire mal et de s'infliger des douleurs mentales, physiques. Le but n'est pas de se mettre dans le rouge. Et encore une fois, c'est comme pour Tommy, c'est pas d'aller vous faire une blessure. Tu lui crames les bornes ou comment ça se passe? Tu peux y aller. Vas-y, va aider Kamel. On veut que Kamel il finisse, il fera le dernier kilomètre. On va aider Kamel à finir. Voilà, ça va être ça le but, justement, que Kamel puisse passer la ligne d'arrivée. Ça va David? PA, du coup. Je te propose un truc. Je vais jusqu'au pied de la bosse et tu fais la bosse. Allez. ils sont bons. On a le classement final avec Michou premier, Xari deuxième, MV troisième, Magla quatrième, Le Bouzeux cinquième, Sean 6, Kameto 7, Tommy 8. Bouzy. Ouais. Félicitations aussi. Merci, ça fait super plaisir. Je suis super content de moi. En vrai, ça peut être bizarre, mais je suis content de moi. Mais c'est le but, J'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je sais pas ce que je valais en fait, je sais pas du tout, j'ai pas fait de vélo depuis 2011. Ouais, j'ai fini et j'ai gardé mon rythme du début à la fin et je suis super content. Et bravo d'avoir terminé aussi. Wow, c'était si dur, PA. Oh là là. T'es fier d'être mon pote? T'es content d'être dans ce genre d'événement? Non, mais j'ai fait genre l'équivalent de 15 séances de sport de muscu. C'était trop drôle. Hey, je vais aller croquer un peu, je vais mettre aussi du mien. Vas-y, bien. Pour le frérot. Oh, lequel de nous deux qui transpire le plus? Il reste plus qu'un talus. Hein. Il reste le dernier talus à 500 mètres. Hein. Hein, il reste le dernier talus à 500 mètres. Hein. Ah, il y a une montée, je te mets après la montée, ensuite tu déroules. T'inquiète, au pire, moi à 500 mètres, tu me donnes, je m'en occupe. Vas-y. Avance-toi au max. Ouais. C'est bon. Okay. Allez, Kamel, hein, c'est la fin. Allez, mon Kamel. 500 mètres. Hein. Allez. Au bout, le Kamel qui va franchir la ligne. 590, ça, hein, il a pété Kamel, le record Kamel de Kamel qui est là pour broyer. Kamel qui est passé au-dessus des 600. Ils sont que deux aujourd'hui à avoir fait ça. C'est juste après allez, ça, Kamel, c'est juste après ça, mon Kamel. Allez, tu vois là-bas. Hein. Tu la vois la ligne. Encouragement les 200 derniers mètres. Tu la vois la ligne à Kamel. Hein. Allez là. Hein. Allez au bout. Oh, et Kamel, tu vas le voir. Allez là la ligne. Hein. C'est pour toi mon ref, c'est pour toi. Bombarde. Allez. C'est ça le sang. Bien, mec. Merci pour le. En solo, bravo, on peut applaudir. Merci. Oh. Eh bien, félicitations mon Kamel. Félicitations. Eh bien, au final, on est arrivé au bout. Je crois qu'on va. Ça va être l'heure. Putain, ça m'a cramé aussi. C'est terrible. On va remettre les trophées. En tout cas, félicitations à tous. La troisième personne, enfin, troisième place du podium, va être remplie par MV en troisième position. Félicitations. 1h11 et 23 secondes. Let's go. 32, pardon. Tu peux aller prendre. Oh là là. Oh, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Est-ce que t'as une petite réaction quand même? Merci à Magla de ne pas savoir utiliser ses vitesses. Ça a beaucoup joué. En deuxième position, ça a été un combat acharné, un combat de titan entre lui et le premier. 1h01 et 18 secondes. C'est Xari qui finit deuxième. Oh là là, bravo. Xav, je me permets, parce que toi tu les enchaînes avec Talk Chef, etc. Et je t'avais dit, podium ou rien, tu ramènes une deuxième place. Ouais, ça fait plaisir.
m'a permis de me reposer dans les descentes. Voilà, petit podium, j'aurai un trophée en plus à montrer en stream, ça me régale. Putain, mais quel boss. Et honnêtement, t'as parlé, mais t'as... Mais y a pas eu de match, par contre, avec le premier, c'est Lance Armstrong, gros, il était trop fort. T'as tenu quand même, t'as tenu, on va voir, on va le tester, si jamais y a pas un peu de PO ou je sais pas quoi là-dessous. Parce qu'il a vraiment Smurf, il a réussi à faire sous l'heure. Il est allé à 55 minutes pour finir ce parcours. C'est Michou qui remporte la première émission de l'échappée. Il y avait plus de 200 000 viewers pour ça, félicitations. Michou, tu peux être, on appelle les deux, s'il vous plaît. Il est incroyable. Michou, bravo, honnêtement, t'as dit au tout début, t'es le seul qui était très confiant, qui a dit je suis là non, pour gagner. Non, je n'étais pas confiant, André. Je voulais faire le mec. Ok. C'est encore plus dur parfois, du coup. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, bravo. J'espère que vous avez passé tous un bon moment. Merci à tous ceux qui ont participé aussi. Bravo à tout le monde, hein. Tommy, parce que tu t'es déplacé, t'as tout donné. Et c'est bien parfois d'éviter une blessure plutôt que bêtement se jeter à 800%. J'espère que ça vous a tous plu, pardon. Très cool. C'était bonne récup, hein. Ouais. Nous deux, on a fait du sport sur les 5 dernières minutes. On est transpirants. Vous avez fait 3 heures. On est au bout de notre vie tous les deux. Vous avez fait 3 heures de vélo. J'espère vous aussi que ça vous a plu. Vous étiez par milliers. Voilà, vous étiez plus de 200 000. C'est quand même assez, assez hallucinant. Merci à tous, tout simplement, d'avoir été aussi nombreux. Merci à Adidas qui a permis de faire l'événement. Merci aussi à Zwift qui nous a aidés. Waouh aussi pour tout ce qui est home trainer, etc. Qui nous ont permis la réalisation de cette échappée. J'espère que je pourrai en faire d'autres avec d'autres coureurs, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui reviendront, on verra. En tout cas, je me suis vraiment éclaté, j'espère que vous aussi. Merci, très bon dimanche à tous, à la prochaine. C'était Domingo. Ciao ! Ciao, ciao ! When only all I know, see, where you're stamina down, overdoing.